Tu sais, ma chérie, notre amour est né comme ça, rapidement, de manière inattendue. Et c'est tout aussi rapidement que je voudrais qu'on y mette un sceau éternel. C'est pour ça que je te demande en mariage. Bon, je crois que je ferais mieux de vous laisser pour que vous poursuiviez votre conversation, non? À plus tard. Qu'est-ce qui lui arrive, Sol? Elle a l'air bizarre, non? Attends. Répète ce que tu as dit. Je n'ai pas bien entendu. Excuse-moi, mais c'est que je dois penser à beaucoup de choses en même temps et j'ai du mal à me concentrer. Ce que j'ai entendu, Madame Montserrat, c'est qu'avec le type de la prison, qui est votre demi-frère, vous avez fait tuer deux personnes. Et je voulais savoir si c'était vrai. Ah! Alors, comme ça, tu es allée à la prison pour faire ta petite enquête perso, ça alors? Non, j'y suis pas allée pour ça, mais... Alors, comme ça, cette ordure de Heriberto te raconte des bêtises. Il t'a raconté que j'étais une meurtrière. Et toi, tu es assez naïve pour croire ce type? Mais c'est bien ça le problème. Ce type ne m'a rien dit du tout, Madame Montserrat. Ah non? Mais alors, je me demande d'où tu sors toutes ces âneries? Ben, c'est vous que j'ai entendu parler. C'est pour ça que je veux savoir. C'est vrai ou pas? Alors, l'histoire, c'est que... C'est que ta mère s'est mise en tête de monter un grand projet avec le père de Barbara. Et bien sûr, c'est lui qui investit son argent. Maman, ça veut dire que tu vas recommencer ce genre d'histoire? Me fais pas ça, je t'en prie. Barbara est la sœur de la meilleure amie de Mariciello. Et j'ai eu peur que d'une manière ou d'une autre, on se retrouve dans une situation où ta mère arnaque Monsieur Montserrat. Indirectement, grâce à tes bons offices. Non. Bon, écoute, viens, viens par ici. Maman, tu ne vas faire aucun grand ou petit projet avec cet homme. C'est compris? Rien. Merci. Je vais acheter quelque chose à manger. C'est bien compris, maman. Ah, merci. Merci, Ramon. Je sais que tu voulais révéler à Carluccio que, dans le passé, j'ai arnaqué sa future belle-mère. Merci de pas l'avoir dit, vraiment, et merci. Et qu'est-ce qui te fait penser que je ne le dirai pas plus tard? À lui et à Mariciello. Tu le sais très bien, Rika, que je ne cautionne pas les mensonges. Je te l'ai déjà dit. Ce que je t'ai raconté, je te l'ai dit sous le secret de la confession. Alors, comme l'exigent les lois divines de ta très chère église, on ne dit pas un mot, rien. On est bien d'accord? Bon, chérie, désolée, il va falloir que j'y aille. Alicia, heureusement que je m'en souviens. Je t'ai pas dit ce que Carluccio m'a dit à propos de ta sœur, Barbara. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh bien, tu sais qu'elle elle est devenue amie avec Gisèle, la petite sœur de Carluccio, et avec Torombolo, mon frère. Apparemment, elle a eu un problème avec ta mère, et elle est partie de chez vous. Quoi? Et c'est pas ça le pire. Le problème, en fait, c'est qu'elle est chez Gisèle, ce qui veut dire chez Carluccio aussi. Tu vois? Attends, attends. Ma sœur est vraiment incroyable. Elle est donc allée vivre ni plus ni moins que chez ton petit copain. Comme le monde est petit. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le dire à ta mère? Il faut qu'on parle, d'accord? Alicia et Mariciello sont à l'intérieur et je ne veux pas qu'elles se mêlent de nos affaires. Sol, tu peux me dire ce qui se passe, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Alejandro, ce qui se passe, c'est que tu m'as demandé en mariage. Et de t'entendre dire ça, ça m'a bouleversée. Mais en fait, je... Mais quoi? Mais je ne peux pas me marier avec toi. Tu sais, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que je peux pas. Tu ne peux pas? Et pourquoi tu ne peux pas, Sol? Pourquoi? Carluccio, je vais y aller. Ouais. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui se fait appeler Joli Petit Cœur m'envoie des messages. Et je viens de comprendre que c'est ma médecin. Regarde ce qu'elle m'a écrit. Montre. Je pense à toi tout le temps. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Bon.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ce joli petit cœur? Franchement, elle est pas mal, non? Fais attention à la tentation. Allez, à plus tard. Ciao. Non, j'étais à deux doigts de faire une bêtise. C'est pour ça que j'ai envie de pleurer maintenant. Figure-toi que José Domingo m'a appelé et que j'ai failli lui parler de mes doutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que les bruits que j'avais entendus, c'était José Domingo qui faisait des travaux de maçonnerie. Et évidemment, il n'y avait rien avec la banque, pas d'histoire de prêt, ni rien de tout ça. Il s'est même énervé contre moi. Allô, José Domingo, dis-moi. C'est moi, Columba. Eloy Monserrat. Eloy, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée. On me l'a confirmé. Ils ont bien accordé un prêt à ton mari. Et il le sait. Parce qu'il a transféré presque tout l'argent sur un autre compte. Sol, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu me dis que tu ne veux pas te marier avec moi? Alejandro, c'est pas que je ne veux pas. C'est que je ne peux pas, tu comprends ça? Tu ne peux pas, mais pourquoi tu ne pourrais pas? C'est parce que j'ai découvert quelque chose de terrible. Quelque chose qu'il vaudrait mieux pas que tu saches. Qu'est-ce qu'il y a? Alicia, surtout ne dis rien à ta mère. Ton père sait déjà où est Barbara, il va s'occuper de tout. Mariciello, Barbara est vraiment folle. Elle ne devrait pas te mêler à ces histoires. Je sais que c'est un peu délicat, mais je ne veux pas non plus qu'elle passe pour une balance. Alicia, laisse ton père s'en occuper, d'accord? Et lui, qui c'est? C'est le prêtre qui est presque comme un frère pour Carluccio. Je vais te le présenter. Salut, Mariciello, comment ça va? Bien, comment ça va, Ramon? Je te présente Alicia, ma meilleure amie. Ça va? Ah, je t'ai déjà vue. Je viens de voir ta photo à l'instant. Ah! Eh bien, je vois que t'as vraiment pas froid aux yeux. Non, non, attendez un peu, madame. Ne le prenez pas comme ça. Mais imaginez un peu la surprise que j'ai eue. Ma belle-mère, une femme aussi respectable que vous, s'avère être une meurtrière. C'est ce que tu crois? Non, absolument pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je voudrais que vous me disiez que j'ai mal entendu. Ou je sais pas, que rien de tout ça n'est vrai. Et quand bien même ce serait vrai, hein? Et si c'était vrai que j'étais une horrible meurtrière sans cœur? Si c'était le cas, qu'est-ce que tu ferais? Tu me dénoncerais? Tu vas le dire à Alejandro? Eh ben, en fait, juste après être allée avec toi au bureau de ton père, je suis retournée là-bas, tu sais, à la prison. Et tu as parlé avec Heriberto? Alejandro, il m'a avoué quelque chose d'horrible. Quelque chose qui, j'en suis sûre, pourrait nous faire beaucoup de mal à tous les deux. Quoi, Sol, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi. Il m'a dit que c'était elle qui avait commandité le meurtre de ses associés. Consuelo et Alvaro Figueras. Elle? Mais qui, elle? C'est ta mère, Alejandro. C'est ta mère qui a fait ça. D'après Heriberto, c'est elle qui a commandité le meurtre de mes parents biologiques. C'est ta mère, Alejandro. C'est ta mère qui a fait ça. D'après Heriberto, c'est elle qui a commandité le meurtre de mes parents biologiques. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai blessé? Quoi? J'ai pas compris. Tu dis que tu l'as déjà vue en photo? Oui, oui, c'était toi. Mais attendez, où est-ce que vous m'avez vue? Sur les réseaux sociaux. Ah bon? Mais tout le monde est sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Joli petit cœur, non? C'est bien ton pseudo? Joli petit quoi? De quoi tu parles? Non, c'est pas vrai. Ils ont dû mentir, Eloy. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais il faut que je te le dise franchement. Ça ne te ressemble pas de médire comme ça. Je te croyais plus sérieux que ça, plus raisonnable. Columba, s'il te plaît, je ne suis pas du genre à mentir. Ils ont accordé un prêt à ton mari, et il le sait. Je ne sais pas, s'il n'a pas voulu te le dire, c'est peut-être parce qu'il voulait te faire la surprise. Ça doit être ça, parce qu'il ne m'a jamais rien caché. Pour moi, tout ce qui compte, c'est que tu ne sois pas stressée à propos de la maison.
que tu aies la certitude que personne ne va vous expulser. C'est tout ce que je veux. Que tu ailles bien. Est-ce que tu sais pourquoi ce type a dit ça sur ma mère? Je sais pas vraiment pourquoi il a dit ça, Alejandro. Mais Heriberto m'a juré que c'est bien ta mère qui a commandité le meurtre des Figueras. Sol, ce couple avait peut-être des différends, ou des problèmes, ou des dettes à rembourser à je ne sais qui. Alejandro, ton père a bien précisé que c'était des gens très bien. Mais pourquoi tu penses que c'est bien ce qui s'est passé? Je ne vois pas la logique, dis-moi. Tout concorde, et tu le sais très bien, Alejandro. Alors du coup, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce que je viens de te dire? Mon Dieu, je ne suis vraiment pas du genre à publier des photos sur les réseaux sociaux. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, non, non. Non, non, j'ai une excellente mémoire visuelle. C'était bien toi sur la photo. Et crois-moi, tu étais vraiment très, vraiment très sexy. Quoi? Sexy? Mmh. Et où est-ce que tu as vu cette photo, Ramon? Parce que... je sais pas, mais j'imagine pas un homme de Dieu en train de regarder des photos sexy sur les réseaux. Ah, je sais, cet andouille de prêtre a sans doute vu ma photo sur le téléphone de Carlos. Bon, alors en fait, c'est lui qui me l'a montré. Lui? Ah, mais oui, bien sûr, je sais de qui vous voulez parler. C'est un de mes patients, Maricielo. S'il vous plaît, je voudrais profiter du fait que vous soyez prêtre pour pouvoir vous parler de son cas. Il est au plus mal, vous le savez. C'est un cas désespéré, en fait. Oui. Eh bien, le monde est petit, hein? En effet, je peux vous parler maintenant? Cette histoire me bouleverse tellement. Je pense que vous pourriez vraiment m'aider. Bon, oui, bien sûr, je peux vous aider. Maricielo, on se voit demain. D'accord, bien sûr. Père Ramon, on peut aller dans ma voiture. Comme ça, je pourrai vous raconter toute l'histoire. S'il vous plaît, oui, bien sûr, oui, oui. Ciao, Maricielo. Salut. Allez-y. Je vous en prie. Bon, et après? Tu vas rester là planté comme un poteau électrique ou quoi? Dis-moi. Maintenant que tu sais que je suis une meurtrière sans scrupules, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer ou quoi? Non, 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 je compte pas vous dénoncer, Madame Montserrat. Mais je... Écoute, je sais très bien qui tu es. Tu es une petite arriviste qui a débarqué chez nous en faisant semblant d'être riche, mais tu ne l'es pas. Et tu veux te marier avec mon fils Alejandro pour regonfler ton compte en banque, n'est-ce pas? Madame Montserrat... Mais malgré tout, figure-toi que moi aussi je veux que tu sois ma belle-fille pour les raisons que je vais t'expliquer maintenant. Mais sache qu'avant tout, tu es une idiote. Et c'est exactement ce que je veux, que tu restes dans ce rôle. Mais non, je... Maintenant, écoute-moi. Tu n'aborderas plus jamais ce sujet, tu as compris? Pas même devant ton miroir. Compris? Tu as intérêt à te taire, parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais devoir passer de la théorie à la pratique. Alejandro, s'il te plaît, ne reste pas sans rien dire. Dis-moi ce que t'en penses. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Je pense que tout ça, c'est rien que des mensonges. Alejandro... Je ne te crois pas, Sol. Je ne peux pas l'accepter, tu comprends? Je ne peux pas l'accepter, c'est tout! Ma mère n'est pas une meurtrière. Toute cette histoire n'est qu'un horrible mensonge. Alejandro, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je t'ai simplement demandé ce que t'en pensais. Écoute, Sol, je trouve que j'ai été assez patient avec toi. Je t'ai laissé enquêter, fouiller partout, penser le pire sur ma famille. Mais ça, non. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est un vulgaire mensonge, une infamie. C'est sûr. Évidemment, je m'y attendais. Tu t'attendais à quoi? Que ce que j'ai découvert ne te plairait pas, que tu te mettrais dans tous tes états et que tu deviendrais fou. Je savais que tu pourrais pas être impartial. Tu es en train de parler de ma mère. Est-ce que tu te rends compte? De la théorie à la pratique. Enfin. Eh bien, je vois que tu comprends rapidement maintenant. Il y a deux scénarios. Soit tu ne dis pas un seul mot, soit il faudra aussi te tuer. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Je savais pas quoi dire, Raquel, j'ai rien compris. Donc tu as fait les présentations, mais ils se connaissaient déjà? Eh bien, je sais pas. Il a dit qu'il l'avait vu en photo sur les réseaux sociaux, en fait. Et figure-toi qu'ils ont un ami en commun, c'est un patient d'Alicia. Qui va très mal, d'ailleurs, d'après ce qu'elle a dit. Mais qui ça peut être? Je n'oublie jamais un visage. J'ai vu ta photo sur le téléphone de Carluccio. Et s'il te plaît, ne me prends pas pour un imbécile. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que Mariciello sait que tu es sa médecin et son ami? Ou peut-être que tu ne sais pas que Mariciello a découvert ses problèmes de santé? Mon père, en fait, le problème... Vous ne pouvez pas comprendre. Eh bien, justement. J'aimerais bien que tu m'expliques. Vas-y. D'accord, je vais tout vous expliquer. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous demande de ne pas me juger. Je ne suis pas là pour te juger. J'aimerais juste savoir quelle est la nature de ta relation avec Mariciello et Carluccio. C'est tout. Est-ce que... Je peux me confesser tout de suite, s'il vous plaît? Les portes du cœur de Dieu sont ouvertes à tout moment et en tout lieu. Est-ce que ça veut dire oui? Est-ce que tu peux te mettre une seconde à ma place, s'il te plaît? De quel droit est-ce que tu accuses ma mère de quelque chose d'aussi grave? De quel droit Heriberto l'accuse d'être une meurtrière? Dis-moi! Alejandro, premièrement, ne me crie pas dessus! Et deuxièmement, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il m'a raconté est vrai. Oui, mais tu lui donnes raison! Non, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, je n'ai absolument aucune raison de penser que c'est un mensonge. Sol, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir élevé la voix sur toi. Mais toute cette histoire me dégoûte, c'est ignoble, tu comprends? Alejandro, pourquoi tu te mettrais pas à ma place aussi? Ils ont assassiné mes parents. Et ils ont aussi failli me tuer, alors que je n'étais qu'une enfant. Attends, c'est pas ça qui est ignoble? C'est vrai. Oui, et ce serait encore pire si ta mère était coupable, tu crois pas? Il faut que je parle à Heriberto. D'accord. On va aller tous les deux lui parler demain, à la première heure. Et on mettra tout ça au clair. Hein? Ça te va comme ça? Oh, je sais que c'est mal. Je le sais, mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux si c'est Carluccio qui me plaît? Alors oui, je vais séduire le petit ami de ma meilleure amie. Je ne comprends pas. Il y a tellement d'hommes sur cette terre, et tu es une très jolie jeune femme. Pourquoi tu t'intéresses seulement à lui? Parce que Carluccio est spécial. Vous savez, il est un genre d'homme qui n'existe plus. Un peu comme vous. Dommage que vous soyez prêtre. Mais non, c'est pas juste pour Mariciello. Béatrice, Alicia, comment est-ce que tu t'appelles en vrai? Béatrice Alicia, c'est mon prénom complet. Peu de gens le connaissent, et ceux qui le connaissent l'ont déjà oublié. Enfin, je sais que ce n'est pas juste pour Mariciello, je le sais, mais je vais quand même lui voler son amoureux. Mon père, je vais devenir le genre de femme qui gâche tout. Et vous savez ce qui est le plus drôle? C'est qu'elle ne le sait pas encore. Excuse-moi, je suis désolée de ne pas être venue plus tôt, ma chérie. Papa, je t'ai attendu toute la journée. Il faut vraiment qu'on parle de ce qu'on va faire ensuite. Et de où je vais pouvoir aller avec mon bébé, ma chérie, si... Barbara, il faut que je sois honnête avec toi. En fait, j'ai eu plein de problèmes à régler et je n'ai pas pu m'occuper de toi. Je suis désolée. Mais s'il te plaît, papa... Bon, je ne sais pas. Je me dis que le temps qu'on trouve une solution, le mieux serait que tu restes ici. Enfin, il faut d'abord en parler à la mère de Gisèle. Bon, je ne sais pas si elle est disponible, mais on peut aller voir ça, bien. D'accord. Oui, allons-y. Ok. C'est donc ici qu'on va venir pour faire ce petit travail. Mais il faut que tu saches que je ne vais pas te le permettre. Je vais tout de suite... Mon père, voyons, vous ne pouvez rien raconter. Tout ce que j'ai dit, c'était sous le secret de la confession. N'est-ce pas? Ça alors? Je ne pensais pas que le chantage au secret de la confession était si fréquent. Eh bien alors, appelez ça du chantage si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, vous êtes comme une petite boîte dans laquelle je mets tous mes secrets. Et en quelque sorte, cela fait de vous mon complice. Ah, eh bien, tu es une sacrée effrontée, toi! Mon père, je vous laisse mon numéro de téléphone et l'adresse de mon cabinet, au cas où vous ayez besoin de moi, avant que je ne vous appelle. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Tu es devenue folle ou quoi? Il faut que j'y aille. Mais je peux déjà vous promettre qu'on va se revoir très bientôt.
Ah ! Et vous me direz la pénitence que je mérite. Mon chéri, tu te sens bien ? Pas du tout. Bon, au moins, tu es venu. Alejandro, est-ce que tu as parlé à ta mère ? Est-ce que tu lui as raconté ce que j'ai découvert ? Non, Sol, non. Mon cœur, écoute, tout ce que je te demande, s'il te plaît, c'est de ne pas te battre avec lui. C'est tout ce que je te demande. On est juste venu vérifier si ce qu'Heriberto m'a dit est vrai. D'accord ? Vous me cherchiez ? Alejandro ! Qu'est-ce que t'as raconté sur ma mère, imbécile ? Je t'écoute, dis-le-moi en face ! Alejandro ! Dis-moi en face les horreurs que tu as dites sur ma mère. Je veux entendre de ta bouche qu'elle a commandité le meurtre de je ne sais qui. Allez, réponds-moi ! Lâche-le, s'il te plaît ! Écoute ce que dit Sol. Je commence à perdre patience, ça sera bientôt trop tard, d'accord ? Alejandro ! D'où tu sors que ma mère est une meurtrière ? Si tu as tué quelqu'un, c'est ton problème. Mais n'implique pas ma mère là-dedans. Tu vois, Sol ? Il s'en fiche de savoir si j'ai tué tes parents ou non. Tout ce qui compte pour lui, c'est que ce n'est pas sa mère qui a payé et commandité le meurtre. Tu es un misérable. Un dégénéré. On s'en rend compte au premier regard. Par contre, ma mère est quelqu'un de bien. Je la connais. Mais pas mieux que moi, tu sais. Moi, je connais absolument tout d'elle. Y compris cet aspect dangereux et honteux qu'elle ne t'a jamais montré. Alejandro, ça suffit, arrête. Idiot. Calme-toi maintenant. On ne peut pas parler comme des gens civilisés. Avec quelqu'un comme ça, je ne peux pas être civilisé, tu comprends? Alors écoute-moi bien, mon petit. Ce que je dis sur ta mère n'est absolument pas de la diffamation. C'est la vérité. Donc si tu veux savoir, écoute-moi bien. Sinon, va pleurer dans les jupons de ta mère. Mais t'as pas intérêt à m'agresser de nouveau, sinon je te tue, petit avorton! Décidément, on est de moins en moins nombreux à manger ensemble dans cette maison, maman. Oh, cette famille est en train de perdre ses bonnes habitudes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait longtemps qu'Eloy s'intéresse plus à Mariciello qu'à nous. Tout ce qui compte pour Alejandro, c'est de courir après sa traînée. Et Barbara, elle joue à l'enfant rebelle avec le soutien de son père. Ah, au fait, dis-moi, je t'ai dit qu'elle était hébergée dans la maison de Carlos. Carlos? Mais oui, l'homme dont je suis tombée amoureuse. Eh bien, figure-toi que la sœur de Carlos est une très bonne amie de Barbara. Et c'est elle qui lui a proposé de l'héberger depuis la dispute que vous avez eue, à cause de sa grossesse et de son bébé sans père. Ok, je vois. Mais figure-toi que je savais déjà où elle était. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était aussi la maison de mon futur gendre. Bon, maintenant que tu le sais, fais attention à toi. Maman, tu sais que ça ne me plaît pas du tout que Barbara reste là-bas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire, hein ? Tu vas la laisser continuer à faire son show ? Heureusement, elle n'a même pas encore commencé à faire son show. La nouvelle de son accouchement ne s'est pas répandue et ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je vais faire. Dis-moi, comment avance l'histoire de la bâtarde, de toi et du beau Carlos ? Cette femme m'a manipulé, Père Reveron. Elle a pleuré devant moi. Et elle a voulu se confesser. Moi, évidemment, j'ai accepté, parce que je suis là pour ça, non ? C'est une très bonne question, mon fils. Pourquoi sommes-nous des curés ? À vrai dire, je ne me souviens plus pourquoi je me suis lancé là-dedans. Elle est très rusée, elle m'a fait le même coup que m'a fait Rika. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment grave. Rika ? Mais qui est Rika ? La mère de mon ami Carlos, qui est comme mon frère, mon père. Et il vous a manipulé ? Non, pas lui, sa mère. Bon, elle m'a plus ou moins manipulé. Le problème, c'est que je voudrais qu'elle explique elle-même à Carluccio qu'elle a arnaqué la mère de sa petite amie. Carluccio a arnaqué la mère de sa petite amie ? Mais quel est ce genre de relation ? Père Ramon ! Non, mon père, je parlais d'autre chose. Le problème, c'est que la médecin de Carlos, c'est-à-dire Alicia Montserrat, est en train de monter un plan diabolique pour voler le petit ami de Mariciello, et ce petit ami n'est pas moins que mon ami, mon frère Carluccio, vous comprenez ? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?
Bon, maintenant, il y a ce prêtre qui est comme le frère de Carlos. Il m'a vu hier discuter avec Maricielo. Mais je suis vite partie en prétendant que j'étais occupée. Et maintenant, ce prêtre ne représente plus une menace. Maintenant, c'est mon confesseur. Alicia, dis-moi. Jusqu'où tu serais capable d'aller par rapport à Maricielo? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tu veux seulement lui voler son copain? Ou tu serais capable de pire? Il est évident que je vais lui voler son petit ami, maman. Mais cette étape, c'est juste une mise en bouche. Ce qui suit va être irréversible. Ce sera la fin pour eux. Ah oui? Et de quoi tu parles? Je suis désolée, maman. Mais il n'y a pas longtemps, une très bonne amie m'a dit qu'il y a des choses qui ne se disent pas. On les fait, mais on n'en parle pas. Maricielo, mon amour, je comprends pas pourquoi tu veux voir ma médecin maintenant alors qu'elle a dit qu'elle t'appellerait. Pourquoi t'attends pas qu'elle t'appelle pour te donner rendez-vous? Écoute, Carluccio, je t'ai déjà dit que ma meilleure amie était médecin ici, Alicia Montserrat. Je connais bien la clinique, je suis déjà venue. Qu'est-ce que tu feras si elle est occupée? Bon, eh bien, dans ce cas, on reviendra une autre fois. Mon amour, je voulais venir dès maintenant parce que je vais commencer mon service dans pas longtemps et je pourrai plus après. C'est donc le seul moment que j'ai trouvé pour lui parler. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, vous êtes l'amie de la docteure Montserrat. Oui, mais c'est pas elle que je suis venue voir, c'est une autre médecin. Et comment s'appelle cette autre médecin? Béatrice, comment déjà? Elle s'appelle Béatrice, son nom de famille c'est Cancedo, Salceo, quelque chose comme ça. Laissez-moi voir. Caicedo, je crois. Ah, non, désolée. Aucune docteur Caicedo ne travaille ici. En tout cas, je ne trouve rien avec ce nom de famille. En fait, elle m'a dit qu'elle travaillait ici depuis pas très longtemps. Vous n'avez pas la liste des nouveaux docteurs recrutés? Si, j'ai aussi vérifié ce dossier, mais dans cette clinique, je suis sûre qu'il n'y a pas de docteur Caicedo. Comme je l'ai dit à Sol, Reina Montserrat était l'associée de ces personnes. Consuelo et Alvaro Figueras. Et tu étais leur seule famille. Tu étais leur seule héritière. Comment est-ce que tu sais que Sol est la fille de Consuelo et Alvaro Figueras? Tu peux me le dire, au juste? Alejandro, d'après Heriberto, c'est lui qui m'a amenée à Palo Colorado pour que mes parents adoptifs s'occupent de moi. Et soi-disant, ma mère t'aurait payé pour que tu les tues, c'est ça? Oui, mais tous les trois, y compris la petite Sol. Et tu sais pourquoi? Par pure et simple cupidité. Pour garder tous les bénéfices. Et prendre leur part de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en dis? Ils lui ont donné l'argent. Ils lui ont donné Raquel. La banque d'Eloy a accordé un prêt à José Domingo. Quoi? Et le pire, c'est qu'il le sait. Parce qu'il a transféré l'argent sur un autre compte. Et à moi, il a dit qu'il n'avait pas un centime. Eh bien, ça doit être parce que... Ben, je ne sais pas. Columba, ce qui compte... C'est que tu n'as jamais eu à douter de José Domingo, c'est pas vrai? Alors attends qu'il revienne et t'explique ce qui se passe. Tu verras que tu t'inquiètes pour rien. Attends, j'y vais. Allô, bonjour, Columba Morales. Je vous écoute. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Morales, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est de la part de qui? Eh bien, je vous appelle de la Banque Nationale. Vous devez savoir que M. Morales a un compte chez nous. Et je voudrais confirmer avec lui un transfert de fonds à un compte tiers. Ce type ne fait que mentir, Sol. C'est tellement évident. Il veut se venger parce que ma mère n'a pas voulu être sa complice et qu'elle l'a dénoncé. Et comment est-ce que tu sais qu'il ment, Alejandro? Est-ce que t'as une preuve de ce que tu dis? Montre-moi une preuve. Oui, j'ai la preuve que je ne mens pas, Sol. Tu verras bien. Mais la prochaine fois, viens toute seule. Parce que je ne lui donnerai rien. Il serait capable de détruire les preuves pour sauver l'honneur de sa chère petite maman. De quelles preuves vous parlez? Et quand est-ce que vous me les montrerez? J'ai bien compris que vous m'avez dit que vous vouliez lui parler, madame. Mais José Domingo n'est pas là pour le moment. Est-ce que vous pouvez l'appeler sur son portable, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la banque a appelé pour confirmer le virement que José Domingo veut faire sur un compte tiers. Tu vois que je me trompais pas, hein?
Alors c'est bon? Vous avez reçu le virement et on peut signer le contrat de vente de la maison? Oui, c'est bon. La banque vient de confirmer, on peut signer. C'est la première fois que vous concluez la vente d'une maison si rapidement, non? C'est bien vrai, oui. Tout ça pour que tu vois à quel point je suis amoureux de toi. Tu as visité la maison? Elle te plaît? T'as vu, nous y sommes. J'ai acheté une maison. Comme ça, tu as ton petit nid et moi, j'ai mon petit bonbon. Ces deux jolis petits caramels. Il y en a plusieurs, mon petit. Par exemple, je peux vous montrer les copies des chèques que Reina m'a donnés, signés de sa propre main, pour accomplir ma mission. Mais ça ne prouve rien, Sol. Ma mère a pu lui donner de l'argent pour plein d'autres raisons. Pour l'aider, par exemple. Pas pour qu'il tue quelqu'un. Alejandro, il a reconnu qu'il a tué les Figueras. Ça ne te suffit pas? Et alors quoi, Sol? Ce type dit n'importe quoi. Écoutez... Il serait capable de tout inventer pour causer du tort à ma mère. Est-ce que tu sais ce que faisait ta mère avant de devenir Madame Montserrat? C'était la gérante d'une maison close. Oui, une maison close qu'elle a achetée à la sueur de son front. Alejandro, ça suffit, calme-toi enfin, tu comprends pas? Et vous, arrêtez un peu de le provoquer. Si vous voulez m'aider, vous m'aidez, c'est tout. Écoute, on dirait que tu aimes jouer au dur à cuire. Mais je t'ai prévenu. Si tu me touches encore une fois, tu vas le regretter. Waouh, je suis vraiment mort de peur. Alejandro, non! Alors, c'est ça que tu voulais? Eh bien maintenant tu l'as! Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que je continue et que je t'égorge? C'est ce que tu veux? Hein, mon petit? Calmez-vous, Heriberto, s'il vous plaît. Je vous en supplie maintenant, calmez-vous et lâchez ce couteau. Tu sais quoi? Ça me ferait plaisir de te trancher la gorge ici même. Mais je vais te lâcher. Tu sais pourquoi? Parce que Sol me l'a demandé. La femme de ma vie. Partons d'ici, Sol. Écoutez, vous m'avez toujours pas répondu. Quand est-ce que vous pensez me donner les preuves de ce que vous dites? Sol, ce type n'a aucune preuve. Et sûrement pas ici, en prison. Allez, on y va. Est-ce que c'est possible que tout ça soit un mensonge? Mon amour, je vais te donner toutes les preuves dont tu as besoin pour connaître la vérité. Et même plus que ça. Je te donnerai même ma vie s'il le faut. Et avec grand plaisir. Car une femme telle que toi vaut bien la peine de mourir. Et oui, comme je vous le disais, je voulais venir hier, mais il était tard et... Non, non, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là. Alors dites-moi tout. En fin de compte, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre fille, étant donné que votre femme ne veut pas d'elle chez vous? Eh bien, en fait, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. Barbara, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais aller à l'étranger? On pourrait engager une employée pour prendre soin de toi, et elle s'occupera aussi de ton bébé, pendant que toi, tu iras à l'université. Alors, si le salaire est intéressant, et que c'est possible de revenir ici de temps en temps pour m'occuper de mes propres affaires, ça pourrait être moi l'employé dont vous parlez. Qu'en pensez-vous? Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr, ce serait une possibilité. Ah, vous savez, je vous demanderai également une aide financière pour un grand projet commercial que j'ai commencé à élaborer. Je parle de mon projet d'import-export. Vous savez de quoi je parle? Non, attendez. Attends, papa. T'es en train de me proposer que je parte en exil avec mon bébé, juste pour ne pas faire honte à maman, c'est ce que tu dis? C'est bien ça que tu me proposes? Béatrice Caicedo qui est arrivée il y a pas longtemps, non? Non. Bon. Oh, comme c'est bizarre, je suis sûre et certaine qu'elle m'avait dit qu'elle travaillait dans cette clinique. Bon, et toi, comment ça se fait que tu saches pas où est son cabinet? T'es pas son patient? Pardon. Mon amour, ce qui se passe, c'est que... Enfin, j'avais une autre médecin avant, et puis j'ai rencontré la docteure Caicedo par hasard, parce que...
J'ai travaillé pour elle sur une affaire, mais je suis jamais allé dans son cabinet encore. Et où est-ce que tu as fait les autres consultations? Ben, en fait, j'ai pas vraiment eu besoin de consultation. On s'est vu une fois dans un bureau d'un hôtel qui appartient à sa famille. Quoi, dans un hôtel? Eh bien non, papa. Ça ne me va pas. Je ne veux pas continuer à vivre comme si j'avais commis un crime. Bon, alors, Barbara, pour être honnête, je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu te restabilises. Bien sûr qu'il faut que tu t'occupes de ton bébé, mais il faut aussi que tu continues tes études, que tu reprennes ta vie en main. Pourquoi je resterai pas ici avec les Blanco? Gisèle me l'a proposé pourtant. Barbara, ma chérie, il faut que tu comprennes que ce n'est pas si simple. C'est une famille, ils ont leur propre dynamique, ils ont leurs propres problèmes. En plus, on parle de deux personnes. Ça coûte de l'argent d'élever un enfant, ça coûte cher. Papa, si vous pouvez participer aux dépenses de la maison, ça ne posera pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que si je peux gagner un petit peu d'argent, ça ne me dérange pas, bien sûr. Je ne sais pas si je suis claire. Madame Blanco, est-ce que vous êtes sûre? Aussi sûre que du fait que je m'appelle Rika. Elle peut rester dès maintenant. Et par hasard, est-ce que vous auriez déjà une idée du montant dont vous auriez besoin? Peu importe combien. Entre 1000 et 2000 par mois? Je pense que oui, ça sera suffisant. Et bien sûr, c'est en plus de l'aide financière dont j'ai parlé pour mon projet d'import-export. Qu'est-ce que vous en dites? Excuse-moi, mais cette médecin t'a reçue dans un hôtel? Alors dans ce cas, ça veut dire que vous n'avez pas une relation médecin-patient, mais plutôt une relation amicale. Ok, c'est ça qui t'inquiète? Oui, bien sûr. Attends, mais pourquoi? C'est comme si j'étais inquiet de la relation que tu as avec cette espèce de Robocop. Avec qui? Ton collègue de travail policier avec qui tu passes la plus grande partie de tes journées. Romulo. Ouais. Oh, s'il te plaît, Romulo est un très bon collègue de travail et un bon ami. On s'entend très bien, mais c'est tout. Bon, ça suffit, Mariciello. Allez, la médecin va t'appeler et puis elle va te donner rendez-vous et tu vas la rencontrer, d'accord? Tu sais quoi? Ça ne me plaît pas du tout qu'on commence notre relation avec tous ces soupçons. Ça te plaît, toi? Écoute, Carlos, il faut que j'y aille. Est-ce que tu veux que je passe chez toi après mon service? Oui, à ce soir. D'accord. Allô, Alicia? Oh, salut, Mariciello. Alors, comment ça s'est passé? Tu as rencontré la docteure Caicedo? Non. Et tu sais quoi? Cette médecin est vraiment très bizarre. Mais je te rappelle plus tard, je peux pas parler maintenant. Ciao. Oui. Merci beaucoup de m'avoir ramenée. Et je suis désolée de t'avoir fait subir ça. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux te faire avoir par un type comme lui. Un manipulateur. Un type qui n'a aucun principe ni scrupule. Alors écoute-moi bien, le problème ce n'est pas quel genre de personne c'est, mais s'il dit la vérité ou non. Tu sais, Alejandro, je te comprends parce que je sais qu'il s'agit de ta mère. Mais je ne compte pas arrêter d'enquêter pour autant. Bonne chance pour ton enquête. Tu te rends compte? T'as même pas l'intention de m'aider à découvrir la vérité. Mais tu sais, j'en attendais pas moins de toi. Je n'ai pas dit que je ne comptais pas t'aider. C'est juste que Qu'est-ce que tu penses? Tu ne veux pas m'aider à comprendre ce qui s'est passé avec mes parents parce que ta mère est peut-être la coupable. Écoute, Sol... Et puis tu connais ta mère depuis ta naissance, alors que moi tu viens à peine de me rencontrer. Donc tu vas pas sacrifier ta mère pour une inconnue. C'est ça? Alors, comment ça avance de ton côté? Tout est prêt, madame, comme je vous le disais. J'ai trouvé la cible, ça c'est fait. Il reste juste à attendre le bon moment. Et pourquoi maintenant ne serait pas le bon moment? Parce que votre mari est à l'intérieur, et il y a d'autres personnes aussi. Mais surtout, vous inquiétez pas. Ce sera fait aujourd'hui, je vous le promets. Bien, moi je ne m'inquiète pas. C'est à toi de t'inquiéter, si tu veux être payé. Pourquoi tu ne comprends pas ma position? Ma mère a été adorable avec toi, avec nous deux. Elle a approuvé notre relation. Tu le sais, elle veut qu'on se marie et elle compte même t'aider pour la fête. Oui, oui, c'est très bien tout ça, Alejandro. Mais il faut que je sache la vérité. Du coup, je vais attendre qu'Heriberto me donne les preuves de ce qu'il m'a dit. Quand on les aura, on les vérifiera et on saura la vérité. Écoute, ou Heriberto est un menteur, ou ta mère est un vrai monstre. Ma mère n'est pas un monstre. Alors laisse-moi le prouver, Alejandro. Mon Dieu, mais pourquoi tu es si têtu? Pourquoi?
Qu'est-ce que tu veux? Que je m'éloigne de toi le temps que tu fasses ton enquête? Tu sais quoi, Sol? Je pense que c'est peut-être le mieux à faire. Bon, d'accord. Si tu veux vraiment le prendre avec orgueil et fierté, parfait, alors on fait comme ça. Et pour que la situation soit encore plus claire, tiens, reprends-la. Nos fiançailles sont suspendues jusqu'à ce que je finisse mon enquête. Voilà.